Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool ou Mike, et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch God Mode sur la map Contagion de Call of Duty Cold War Zombie. Alors pour réaliser ce glitch, il faudra être au minimum 2 joueurs. Donc si vous n'avez pas un deuxième joueur de disponible, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre gamer tag ou votre pseudo pour trouver d'autres joueurs. Ou alors rejoignez le Discord que je mettrai en description et en commentaire épinglé pour trouver d'autres joueurs sur ce Discord. Il est très actif, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Alors, quand vous êtes 2 joueurs, le premier joueur qui veut être en God Mode, il va devoir acheter l'atout Pierre Tombale. Donc, quand il a l'atout Pierre Tombale, il va devoir chercher la faille qui se trouve aux alentours de la map. Donc, il y a 4 failles aux alentours de la map. Donc, pour les trouver, vous faites tout le tour de la map jusqu'à temps que vous voyez une grosse lueur comme je le montre dans le gameplay. À cet endroit-là, vous allez devoir vous tuer. Donc, vous vous suicidez avec la zone. Et à ce moment-là, quand vous êtes mort, vous activez votre pierre tombale et vous restez en mode trépas jusqu'à la fin de votre jauge du mode fantôme. Donc, quand vous arrivez vraiment vers la fin, là, vous foncez directement dans la faille pour vous faire téléporter. Alors, moi, dans le gameplay, je me fais pas téléporter, mais ça fonctionne quand même bien. Mais sinon, là, je vais vous montrer une autre façon que Johnny34 a fait. Lui, il a foncé dans la faille et il s'est fait téléporter dans les airs. Et ensuite, il est mort dans les airs. Et ça fonctionne aussi. Donc le timing n'est pas super précis, ça a l'air super facile à réaliser. Donc je pense que vous allez pas trop galérer. Alors quand vous êtes mort, vous allez devoir attendre 30 secondes pour réapparaître. Dès que vous êtes réapparu, ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver une deuxième faille aux alentours de la map. Donc vous cherchez la deuxième faille et ensuite vous foncez dedans. Dès que vous allez vous faire re-téléporter par la faille, là vous pouvez carrément faire une chute libre et même pas activer votre parachute, vous serez invincible. Ou alors pour voir si vous êtes invincible, vous allez près d'un zombie et vous allez voir qu'il va vous foutre des dégâts, mais il ne pourra jamais vous achever parce qu'il vous restera toujours un point de vie quoi qu'il arrive. Donc de là vous allez être invincible contre tous les dégâts. Alors maintenant si le deuxième joueur veut être en God Mode, et il a juste à faire pareil. Donc vous ne pouvez bien sûr pas le faire en même temps parce que si vous mourrez tous les deux en même temps, c'est fin de game. Donc il faut absolument qu'un des deux joueurs reste en vie. Voilà pourquoi il faut 2 joueurs. Mais quand le joueur 1 est en God Mode, le joueur 2 peut faire pareil et être aussi en God Mode. Alors l'inconvénient de ce glitch, c'est que dès que vous allez changer de map, vous ne serez plus en God Mode. Donc il va falloir répéter cette étape à chaque manche. Cependant, ce glitch est fort utile si jamais vous voulez faire le secret de Contagion. Donc tout simplement à la 5ème manche, quand vous avez préparé tout le secret, avant de rentrer dans le bunker, vous faites le glitch pour être en mode God Mode. Et ensuite, vous faites le secret facilement parce que tout simplement, vous allez être invincible. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace.